שסחיים מימצו ורחוק מפנימים מחרום בוטח בו לבנלום ושלום ושלום לא יחזור שקל אחר trois etzot pour aller dans la Derech HaKodesh, dans le chemin saint. Il nous a donné trois etzot qui sont regarder le tzadik, voir le tzadik, donner la tzedaka au tzadik et le bidouille. Alors, et ce qu'il dit, c'est que le bidouille, c'est plus que tout encore. C'est plus que tout et que la yadou, on peut arriver à tout. Mamash à tous les tikkunim, grâce au bidouille. Alors c'est tellement extraordinaire que d'aille de chercher et de rattacher, de trouver pourquoi et c'est quoi ce bidouille, parce qu'on a l'habitude de le faire, tout simplement. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude de le faire. Et même si je le fais, ratat, yavit, yipashati, j'ai dit quelque chose, mais je pense pas que j'ai fait le bidouille, mamash. Et le rapport à la Torah est une chète dans les côtés moharad. Donc, dans l'union du bidouille, il y a prinat mashiach. Et Ruach HaKodesh, Veyechu Kusha Berichu Shrente. Il y a tout ça dans le milieu. Il y a le Ruach HaKodesh, il y a l'unification d'Akadosh Baruch Hu avec la Shrina, Utriya, et aussi la résurrection. Kitrilat Amriya Aya Kedesh Engali Midat Makoto. Donc le début de la création, c'était dévoiler la royauté d'Hachem. Donc je traduis directement parce que vous avez le texte sous les yeux. Mais il y avait tellement de lumière qu'on ne pouvait pas recevoir cette malchoute. Alors on a été obligé de réduire, de concentrer, de la concentrer dans les mondes. Et ce qui est écrit, malchoute et chamachoute kololamim, ta royauté, c'est la royauté des mondes. C'est-à-dire que la royauté, elle s'est habillée dans les mondes. Il n'y avait personne pour recevoir la royauté d'Hachem. C'est pour ça que Yotzot Nafshot d'Israël, c'est pour ça que les Neshamot d'Israël sont sortis, afin de pouvoir recevoir le joug de la royauté d'Hachem. Parce que ça n'existe pas un roi sans peuple. Et d'où est-ce qu'elles sortent les Neshamot d'Israël? D'où est-ce qu'elles sortent les âmes d'Israël? Mais on l'a dit beau. Parce que c'est ce qui est écrit, Nafshi Yatsa Bedabro. Mon âme est sortie en parlant. Aïenou, chez Nafshot d'Israël, Yotzot Nirola Madibo. Donc ça veut dire qu'on vient, notre Shoresh, il vient du Dibourg. Et le Dibourg, c'est Prinat Malchut. Ça se rapporte à la royauté, comme a dit Eliaou, la royauté de la parole. Parce que la présence divine, elle réside parmi eux sans arrêt. Comme il est écrit, Ashochenitam de Tortumotam. Il réside parmi eux dans leur Touma. Zorbechinat M. Abanin, c'est la mère des enfants. Qui est comme la mère qui va tout le temps avec ses enfants et qu'elle ne les oublie pas. Alors le dibour aussi, la parole, qui est la shrina, elle va tout le temps avec la personne. Bezeo mechina gadut la shrina, c'est-à-dire ça se rapporte à l'exil de la shrina. La parole elle est dans la galut, elle est dans l'exil et elle se tait. Comme il est écrit, elle est l'antidomia, je me suis tue. La parole, quand elle est dans la galoute, elle est muette. Alors, maintenant, on va comprendre quoi Rabbi nous dit que le vidouille, c'est le tikkun de tout. C'est-à-dire que quand on va faire le vidouille, barim, on va parler, on va exprimer les fautes qu'on a faites. Alors, à ce moment-là, krui marim de barim, comme Moshe Amar Akatou, comme la parole elle a dit, krui marim de barim, beshuvu à Hachem. C'est-à-dire, prenez avec vous des paroles, chez Idvade, c'est-à-dire pour faire le vidouille, il faut parler.
Tamid bechol libo nous rappelait Hachem. On va parler devant Hachem. Azal veshuvu el Hachem, vous reviendrez vers Hachem. C'est-à-dire, chez Yashuvu, kol advarim shebagam el shorsho. Que toutes les choses qu'on a abîmées, elles vont revenir à leurs racines. Vezeo bechinat yichud kushavrechu shrinte. C'est-à-dire, comprenez que quand on va faire le vide de Zarim, on va entraîner Yahud Kusham Rikhu Shrente, c'est-à-dire l'unification d'Hachem avec la présence divine, avec la Shrina, parce que la parole, ça va nous relier avec Hachem, va faire l'unification avec Hachem. La royauté d'Hachem va être dévoilée. Et alors, toutes chères ensemble comprendront que la parole d'Hachem a parlé. Ayenu, Shemiachel Adiburim Hachem, Shemiachel Kusham Rikhu Shrente. C'est-à-dire que quand on va parler avec Hachem, on va faire Yehud Kusham Rechou, on va faire l'unification d'Hachem avec la Shrina. Azai, Niglak, Vod Hachem, alors l'honneur d'Hachem va être dévoilé. C'est-à-dire que la Shrina va éclairer. Parce qu'aujourd'hui, sa royauté est amoindrie, sa force est faible, comme il est écrit dans Zohar Kadosh, que la Shrina, elle hurle, Samchouni Bashishot, renforcez-moi dans ma faiblesse. Parce que je suis malade d'amour. De mon amour pour le béni Israël, que moi je réside parmi eux dans leur tourma. Et ça, c'est la galoute de la Shrina. Alors on descend un petit peu en bas de la page, j'écris Vegam Zeru Bechinat Ruach HaKodesh. Et donc ça se rapporte au Ruach HaKodesh, c'est-à-dire à la prophétie. Qu'est-ce qui fait que l'homme il est vivant? C'est parce qu'il respire. Oui, et c'est quoi la respiration? Il sort et rentre du souffle. Et donc, quand l'homme est attaché à la Mahout Kadisha, à la royauté divine, et qu'il dit des paroles de Torah et de Tfila, alors il sort et rentre du souffle. Mais d'où vient ce souffle? C'est du roi de Kusha. C'est un roi de Kusha. Et c'est ce qui est écrit « Ruach Hadasha et Bekir Bechem ». Je vous mettrai un souffle nouveau « Bekir Bechem » en vous. « Que Shiro Noshem Neshima Shem Kedusha ». C'est-à-dire quand la personne elle respire un souffle de Kedusha, « Ruach Hadasha et Bekir », c'est-à-dire que moi je vous donnerai un souffle nouveau, c'est-à-dire « Ruach HaKodesh ». Vous imaginez un petit peu à quel madrigal qu'on peut arriver quand on fait « Vizidou Dvarim », tout simplement « Ibo des doutes », c'est quand on parle avec Hachem, on reçoit « du Ruach HaKodesh ». Donc un roi, on parle, roi que le kumar fait planer à Maïm. C'est-à-dire que c'est le roi d'Hachem qui planait sur les eaux, comme on dit que c'est écrit dans Bereshit. Aïnou que shemama Torah, qui amène au Torah. C'est-à-dire quand on étudie la Torah, le roi que le kumar fait planer à Kodesh, mais après fait. C'est-à-dire que le roi d'Hachem, qui est le roi à Kodesh, lui, il était sur la Torah. Vous avez compris? Alors, le roi, ce roi-là, il vient et il plane au-dessus de la personne qui étudie ou qui prie. Et donc, quand elle respire dans le Kodesh Mamash. Pour vous dire qu'à quel point, quand Rabbeinu il dit que le Bidou Dvarim, c'est Metaken Atakol. Alors là, il nous a expliqué, bon, c'est assez profond, mais évidemment, mais c'est assez simple aussi, j'espère que vous avez compris la portée. Qu'avec les vidéos de Varim, on fait quelque chose de très très grand. C'est-à-dire, on fait Yehud Kusham Rechou Shrente, on reçoit le Ruach de Kedusha qui plane au-dessus de nous et qui nous donne la vie. Maman, c'est pour ça qu'il dit aussi ça rappelle la lumière de la Triat Amitin, parce que la personne, elle revit. C'est une Triat Amitin Maman. C'est-à-dire, quand on dit les Diburim de Torah et de Tfila, on retrouve le goût à la vie, on retrouve la vitalité. On est content de ce qu'on fait, on est content de la vie, on a envie de vivre, on a envie de faire, on a envie de chanter, on a envie de danser, on a envie de faire plein de choses comme Bekitsour. Alors il nous a donné le fil conducteur qui est cet essai extraordinaire qui est le Bidou Dvarim. Et bon, qui n'est pas trop compliqué à faire, seulement il faut faire un petit peu un retour sur le passé et puis essayer de ramener vers Hachem tous les gamins qu'on a fait, c'est-à-dire en en parlant. Alors, en parlant, ça va faire le tikkun de ces avonotes-là.
c'est que le vidouille de Varim, il va faire remonter toutes ces avonotes-là. Khoud Varim, prenez des paroles du vidouille, le Shubu El Hachem et ramenez-les vers Hachem. Donc, à chaque fois que tu as envie d'avoir une tria, d'avoir un renouveau en toi, revivre, une résurrection, ben, tu fais ton vidouille. Mais sauf qu'il faut savoir faire, parce que quand on fait vidouille, on va culpabiliser au fait sur toutes ces choses-là. Et après, on va être dans un sens. Non, ça dépend dans quel aspect tu le fais. C'est-à-dire que si tu es devant le tzaddik et tu sais que ce bidouille, il va te alléger, il va te faire du bien, alors tu ne vas pas culpabiliser. Si tu oublies, tu refous. Ça dépend de la manière dont tu vas le faire, ton bidouille, tu comprends? Dans quel kavana? Si tu sais que c'est une yeshua, que tu vas mettre, ressortir clair, net, à ce moment-là, tu ne vas pas culpabiliser. C'est ce qu'elle voulait dire tout à l'heure. Est-ce qu'on doit redire les fautes qu'on a si on y va plusieurs fois chez le tzaddik? Est-ce qu'on doit... Bah, tu sais, je vais te dire, il y a des fautes que tu sens quand elles sortent de ton cœur et quand elles sont encore là. Oui, en fait, c'est quand, ça. C'est vrai que Yom Kippour, il est mechasset, à quoi? C'est-à-dire qu'il efface tout, et celui qui en dit qu'après Yom Kippour, il y pense encore, c'est-à-dire qu'il n'est pas un ma'amin, il a un problème dans sa yekunda. Voilà. Si, et maintenant, quand tu redis la chose, elle est encore en toi. Moi, je l'ai essayé. Parce que j'ai dû le faire pendant plusieurs années, jusqu'à sentir que vraiment, j'ai plus de chaïchout avec ça. Ouais. J'ai plus de chaïchout avec cette faute-là. Et à ce moment-là, j'ai senti que c'était ma mâche pardonnée. Oui, c'est des fautes qui ont un repentissement comme ça. Ça fait penser à ce que disait David Améler quand il dit « ma faute est constamment devant moi ». Ouais, en effet. Jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une réparation totale. C'est-à-dire que voilà, ton libido, tu dois le faire mettre la mytho du fond de ton cœur et le sortir complètement, tu comprends? Ta faute, tu dois la sortir. Il y a un certain nettoyage à faire. C'est pas parce qu'on a parlé une fois que... Bon, mais c'est très important de le faire devant le tzaddik, parce que lui, il se charge de faire la suite de l'histoire. Tu comprends? Stam, tout seul, peut-être, bidouille de Varim, c'est une chose, et que tu vas pas arriver à la malade où tu devais arriver si tu le fais devant le tzaddik. Avec le bidouille de Varim, on peut arriver à tout, c'est-à-dire au derech à Kodesh. C'est extraordinaire. Le tzaddik, selon Shoresh Neshama de chacun, il va lui donner un derech. C'est ça, c'est pour ça que c'est un tikkun de la colle. Parce que le tzaddik va nous donner un derrière, dans notre Shoresh Neshama, d'arriver à ce qu'on doit arriver dans ce monde. Ça, on est ça quoi faire. Façon d'être. On évolue tout le temps, hein. C'est pas quand on a une état qu'on va voler jusqu'à son état dans cet état-là. On évolue tout le temps. Donc il y a toujours besoin d'aller chez le tzaddik, de lui demander. Il y en a qui disent ça suffit pas d'aller une fois chez le tzaddik, non. Parce que, bah, on évolue. On progresse et on passe à d'autres tikkunim et même si nous on a été métaken, on devait être métaken, on va être métaken pour d'autres. C'est là, ça c'est le but des tzadikim, c'est le tafke des tzadikim, c'est eux, ils viennent pas pour eux dans ce rôle-là, mais ils viennent pour les autres, pour aider les autres à être métaken, est-ce qu'ils vont être métaken?